Accident de scooter. Blessure. Blessure. Point de suture. Blessure. Blessure. Perte de passeport. On loupe l'écho. Plus d'argent. On est coincé en Thaïlande. On cherche notre passeport qui était en dessous de mon portefeuille. On voit le portefeuille qui a rien, on se dit tranquille. On se fait le portefeuille, pas de passeport. C'est là que tout a basculé. Je perds mon téléphone. Comme je suis en Thaïlande, il ne me laisse pas me connecter. Du coup, mon compte Gmail sert à récupérer mon compte Outlook qui sert à récupérer mon compte Gmail. Jusqu'à là, on prenait ça à la rigolade et ensuite on a contacté l'ambassade. Qui est très efficace et qui nous dit 1. Passeport d'urgence en 10 jours. Après ce rendez-vous, il faudra compter encore 3 jours. Du coup, on va louper 2 semaines de cours à Singapour. On ne peut pas réserver d'hôtel sans les passeports. Bah, plus d'argent. Et ma carte bleue est périmée très bientôt. En ayant demandé de l'aide à mes parents, restés en France, ceci m'indique que notre maison a été mise sans dessus dessous, cambriolée, et m'ayant dérobé absolument toutes mes affaires restées au bercail. Enceinte, téléphone, ordinateur, valise, même peut-être ma voiture.